Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA V Online. J'espère que vous allez bien, parce que moi je vais bien, je vous remercie. Alors pour ceux qui se demandent, cette vidéo je la fais à la suite de l'affrontement quarantaine que j'ai fait, logiquement je vous l'aurais proposé vendredi si je dis pas de bêtises, Folkways, j'ai pas vu la suite. Voilà, la course s'appelle Folkways, j'ai pas lu la suite. J'espère qu'on va réussir à être premier, le but étant d'être dans le top 2 dans cette course, parce que voilà. La première course, j'ai été troisième. Et là, faut arrêter de vous décevoir. En plus, c'est le genre de voiture qui patine. Mais pire que sur une patinoire. Vous vous attendiez à un jeu de mots magnifique, mais en fait, un truc tout pourri. Allez, vite, Willy. On va te sauver. Oulala, 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 oulala. Ah, ça patine comme pas possible, ça. Mais c'est pas grave. Là, c'est un virage. Non, non, doucement, 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 doucement. Je sais même pas pourquoi je suis en train de repasser sur la route. Attention, Seb! Tu klaxonnes parce que tu es vilain. Bien, allez, je prends ton aspi, tranquille. Voilà. Mais je la prends sur un virage. C'est ce qu'il y a de pire à faire, finalement. Voilà. Hop. Ah, j'essaie trop de les prendre de l'intérieur et au final, je me fais avoir. Je devrais les prendre de l'extérieur pour repartir en trombe plutôt que de les prendre à l'intérieur et repartir pas du tout. Allez. Voilà. Un de perdu, une place de gagné. Enfin, je dis un de perdu, j'ai pas gagné la place là. Je sais pas ce qui se passe. Ah, j'étais cinquième peut-être. Très bien. C'est ça. Battez-vous devant. Battez-vous comme il le faut. C'est une course vraiment technique, hein. Ça a pas l'air. Mais en fait, c'est les voitures qui rendent la course super technique parce que elle bouge beaucoup. Mais c'est pas grave. Allez. Non, non, non. Monsieur, 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 laissez mon arrière-train. Laissez mon arrière-train tranquille. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Très bien. Je fais tout pour... Oh, allez, voilà, battez-vous, c'est ça. Oh, il y a une voiture qui s'est retournée. Ça, ça, c'est bon pour moi, ça. Même... Même si elle s'est retournée, j'ai pas réussi à la rattraper. C'est dommage. Oui, ça, c'est les cadeaux qu'on m'offre. C'est du caviar. Mais si je le prends pas, bah forcément, ça va pas le faire. Je pense qu'on arrive à la fin de la course. On arrive à moins de 10 points. Allez, allez. Ouh, oh putain, ce que je viens de faire. Je suis passé dans un trou de souris. Oh là là, bordel, bordel, bordel. J'aurais pu faire un truc de fou, revenir et la gagner. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais j'ai quand même atteint ce que je devais faire. Deuxième, je suis arrivé deuxième. Batterie faible, c'est pas grave. Mais j'aurais tellement pu être premier si j'avais pas joué au boulet. Mais bon, j'ai quand même fait une belle remontée, hein, disons. Disons que c'est plutôt intéressant. Oh, il a pris la ladder. J'aurais pas pris ça, moi, personnellement. Il y a même pas mal de voitures que je prends pas d'habitude, mais pourquoi pas, voyons voir, hein, on sait jamais. Si c'est une course de fond où il n'y a pas beaucoup de virages, ça peut le faire. C'est vrai que souvent je me dis tiens, la ladder non c'est pas bon et tout, qu'elle a la moins bonne reprise, et c'est quand je disais ça que j'ai réussi à gagner la course. Donc on sait jamais, ne jamais vendre la peau d'une ladder avant de l'avoir mangée, voilà. Même si on mange pas forcément une voiture, bref, Coty ta gueule. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Voilà, allez. Dans cette course, il faut que je montre mon skill. J'arrive premier. Tout à l'heure, j'ai annoncé deuxième. Maintenant, j'annonce que je vais arriver premier. Mais il me colle pas mal au basque. D'ailleurs, dédicace à tout le Pays basque. Hein. Gros bisous à vous. Putain, je sais pas où aller. Je sais pas s'il fallait aller à gauche ou à droite. Heureusement que j'aurais vite fait le plan. J'ai lâché l'accélérateur pour pas me... Faut pas me louper, il y a une personne qui est juste derrière. Vas-y Willy. Dans ces moments-là, faut pas se batailler. À la fin, oui. Voilà, si c'est pour si c'est pour la première place, ou à la fin, on petite poussette tranquille. Mais allez, la prendre, je vais freiner. Hop, y a pas de problème. Je perds un petit peu, mais au final, je gagne un accident évité. Par contre, là, c'est pas de ma faute. J'avais l'aspi et j'avais pas d'autre moyen que de foncer. Alors, tu m'excuses. Est-ce que ouais, ça va? T'as pas pris beaucoup finalement par rapport à l'accident. J'essaie d'être le plus fair play possible quand je joue. Ah mais. Être fair play c'est bien, mais gagner c'est mieux.
Alors maintenant, je ne joue plus fair play, c'est fini. En plus, c'est quoi cette course toute courte là? Excellente, elle est très bonne. Très bonne course, mais elle est courte. On a joué pendant 1 minute. Ah, mais je suis dégoûté. Si j'avais su que c'était la fin, en fait, je m'en suis aperçu quand je pouvais plus faire mon bâtard et le boucher. Donc finalement, troisième, deuxième, deuxième, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, mais je me dis que deux fois j'aurais pu être premier. Ça me laisse un petit goût amer dans la gorge. Allez, j'ai le drapeau des États-Unis, il y a le drapeau de l'Uruguay, je crois, si je dis pas de bêtises. Et pour le reste, non. Donc on va essayer de faire quelque chose de plutôt bien. En plus, j'ai la couleur bleue et rouge. Vous connaissez tous cette couleur, c'est mes couleurs favorites. Enfin, une que je déteste, le rouge, et une que j'affectionne tout particulièrement, le bleu. Donc, en espérant qu'ils se mettent bien ensemble et que ça se passe plutôt bien, vous pouvez me marabouter, vous pouvez faire la chanson du maraboutage. Je vous ferai une vidéo en vous la chantant comme ça à chaque fois que je vous demanderai. Oh putain de merde! Il a fait une petite vrille. Pourquoi pas? Why not? Tant mieux pour moi. J'espère que ça va bien se passer. Non, non. Ne soyons pas trop vilains, parce que vous savez tous, dès qu'on est vilain dans une vidéo, on se fait vite punir dans GTA. GTA, c'est le jeu où vous pouvez être très bien dans un moment, et 2 secondes après, bah, vous pouvez tout perdre. Je vais essayer de me calmer d'ailleurs, parce que depuis le début, j'ai gagné aucune course. J'ai fait des bons résultats, ouais, j'ai fait des résultats qui étaient plutôt assez bons, mais j'aimerais gagner au moins une course. En plus, ils sont pas très loin, il est où le point? Allez, là. Allez, j'aime bien la course pour l'instant. Je la trouve plutôt sympathique, c'est vraiment du tout terrain, voilà, bah, de toute façon tout est dit. Hein. Et c'est rare qu'on fasse ça avec ces véhicules-là, du coup bah, c'est plutôt intéressant. Mais je répète, hein, pour ceux qui se demanderaient, parce qu'il y a peut-être des personnes qui se demanderaient, ouais Coty, où sont les courses des abonnés et tout, ce sera fait. Ce sera fait la semaine prochaine, ou même peut-être 2 jours après cette course, hein. Enfin après cette compilation de courses. Vous inquiétez pas, ce sera fait avec grand plaisir très prochainement. Laissez-moi juste le temps de prendre les courses, enfin vos courses. Allez, 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 on y va. Et ce sera fait grand. Putain, mais c'est quoi? Oh, vous avez vu la carte? Elle était possédée. Elle a bougé, genre l'exorciste. Voilà. D'ailleurs, exorciste, c'est le mot magique de cette vidéo. J'espère qu'il va me porter chance. Enfin, porter chance en même temps, exorciste. J'ai 7 secondes d'avance. Je vais pouvoir me la jouer plutôt cool. C'est-à-dire de pas trop faire le fifou comme j'essaie de faire maintenant. De freiner quand il faut freiner. Bon, c'est un peu le but. Allez, allez, allez. Ah, Gavin, en plus, il est pas très loin. Je sens qu'il me rattrape. Je sens qu'il se dit « Coty, tu m'as fait sauter. Tu vas voir qu'il va te sauter maintenant. » Je sûr qu'il est en train de se dire ça. Je vais passer par là pour essayer de prendre le tremplin. Enfin, un tremplin. Oui et non. Voilà. Vous avez vu? Ouh, c'était beau, ça. C'était beau, mais j'ai fait du surplace, donc c'était... Oh, mais comment il a fait pour monter aussi vite? My gosh! Il est monté, genre... Ça parlait... Non, 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 voilà. Je savais que ça allait me faire ça. Je dis le karma de GTA. Quand le jeu ne veut pas vous laisser premier, bah voilà, il vous fait ça. Par contre, lui aussi, il fait un peu l'exorciste. Non, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te... Oh, bordel, 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 non, 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 et non. Je réussis la course, bien. Bah, vas-y, vas-y, t'as raison, hein. C'est très bien, ce que tu fais. C'est très bien, Coty. Oui, je sais que je suis dans le mauvais sens, je sais. Et je ne le fais pas exprès. Pour ceux qui se demanderaient, non, je ne le fais pas exprès. On va essayer de passer par là. Oh là, mais j'avais tout pour réussir, pour être premier. Là, je suis deuxième. Bon, ça va, mais ça va se battre sur la fin. Oh, bordel. Ah, j'avais dit, j'aurais jamais dû placer le mot exorciste. J'aurais jamais dû placer le mot exorciste. J'avais une fucking avance. Et j'ai réussi à la perdre. Tu as été premier tout le long. Allez. Pour vous, jusqu'à la fin de la course, je fais un truc parfait. Vous allez voir, en plus il a fini à la première place. Attends, j'étais pas loin, ça veut dire. Ah, ça me dégoûte. Oh là, ça me dégoûte. Si vous savez, j'ai une veine sur le front, là, c'est la veine de la rage, vous voyez. Quand vous faites une course bien comme il faut, et qu'il y a un truc tout con qui vous fait foirer, déjà, ok. Si on passe pas, vous me le dites, hein.
façon, quand c'est trop serré, vous savez, vous faites quoi? Vous enfoncez. C'est aussi simple que ça. Allez. Bon, on va terminer deuxième, c'est pas mal. Bon, on est que 5 parce que pas mal de personnes ont quitté, parce que demain il y a l'école, etc. Et qu'il est un petit peu tard. Mais c'est vraiment dommage parce que je pense que je l'avais mérité la première. Oh putain! Oh le carnage qu'il y a. C'est quand même pas mal. J'ai jamais été plus de troisième, en même temps on est moins nombreux. Mais c'est ce que je voulais parce que c'est vrai que des fois les courses c'est très très bien dès qu'on est 16. Mais moi j'aime bien les courses quand on est moins nombreux. Voilà. Des questions? La nuit est tombée, les oiseaux ne chantent plus, le cochon est prêt. Oh, c'est quoi cette voiture à droite? La couleur à ma surprise. À ma surprise, voilà. Enfin, surprise, je suis pas une meuf quand même. Allez, assez parlé. Comment ça se fait qu'il démarre avant nous? Je n'ai aucune idée. En tout cas, il est parti avant nous. C'est pas grave, on sait tous que les tricheurs arriveront dernier. Dans des fois, le jeu, je pense que c'est par rapport à la connexion. Si vous avez une connexion voilà, du futur, bah, vous démarrez avant les autres. Pour vous, c'est à zéro, hein. Mais pour lui, pour nous, battre. C'est bon, je ferme ma gueule que... Je m'embrouille tout seul, dans cette course, en fait, j'aurais dû prendre la header. C'est ce qu'il y a de mieux. Ça, je sens la course, je sais pas vous, je sens que c'est la course où, bah, je la domine, voilà. Je la domine sans problème, mais à la fin, je vais pas réussir. Et là, vraiment, le but, c'est d'arriver premier. Vraiment, parce que c'est la dernière course de cette petite série. Donc s'il vous plaît, vous en supplie, pour votre cochon marabouté. Pour votre cochon... Putain, il m'a touché l'arrière-train. Donc pour votre cochon marabouté, nouveau record du monde, tour parfait, c'est la folie. Alors s'il vous plaît, marabouté, voilà. Criez comme ça devant votre téléphone ou dans votre PC. Si on vous prend pour un fou, c'est pas grave. Si vous regardez cette vidéo à l'école, au travail ou dans la rue, c'est pas grave si on vous prend pour un fou. Si vous savez que vous êtes pas fou, y a aucun problème. Voilà. Mais marabouté. Voilà. C'est le maître mot. Voilà, j'ai un petit peu l'avance. Mais vous savez tous que l'avance, c'est rien du tout. Combien de temps? Ouais, 2 secondes. Je sais pas comment il a fait Maya pour avoir 15 secondes de retard. Ce qui est assez... assez conséquent finalement. Mais là, ils peuvent vite me rattraper si ils se donnent l'aspiration sans se taper. Parce que forcément, des fois, il y a des personnes qui s'en foutent de donner l'aspiration. Eux, ce qu'ils veulent, c'est finir premier. Et s'il faut se pousser, bah ils vont se pousser. Allez, franchement, j'ai fini les 2 tours premiers. Là, tour entier, premier. Vous le voyez. En plus, un nouveau record du monde. 2 records du monde dans la même course. Franchement, je mérite de la gagner cette course. Je voulais être premier dans au moins une course. S'il vous plaît, combien de secondes d'avance? 2. Je sens que je vais pas la gagner. Je sais pas pourquoi. Mon doigt, il commence à trembler. Je commence à avoir un petit peu de sueur sur la tête. Putain, mais c'est... Non. Comment ça se fait qu'il a refait un record du monde, lui aussi? Ah, tu vas niquer mon record du monde? Non, j'ai loupé le point. Voilà, c'est bon ça. Oh, mais c'est bon. C'est bon. Vas-y, Francky. Allez, il faut que je réussisse. Pas ni problème, combien j'ai de secondes d'avance? J'ai 4 secondes, donc je peux, là, un petit peu freiner tranquillou, histoire de faire comme Francky Vincent. Voilà, c'est bon. Oh, celle-là, je vais dominer. Du début à la fin, il n'y a aucun problème. Ça a marché, ouais, c'était tip top. Franchement, rien que pour ça, j'ai envie de voir plein de GG Coty. Même si la course d'avant, j'ai un peu merdé sur le saut, j'ai quand même réussi à être deuxième, c'était plutôt pas mal. Mais avec cette course, je mérite vraiment un petit GG parce que je domine du début à la fin. C'est toujours ça. Une course sur 4, sur 5, je sais plus combien on en a fait. C'est plutôt pas mal. En plus, avec des records du monde, j'espère qu'ils vont me le donner. Même si c'est pas moi qui ai fait le meilleur tour. Forcément que vu que j'étais toujours devant, j'avais pas l'aspiration, voilà. Et comme je suis arrivé premier, je vais laisser ça jusqu'à la fin, parce qu'il n'y a aucun intérêt de montrer la victoire des autres. Oui, je suis un rageux, et alors? Des questions? Si vous en avez, vous pouvez les poser en commentaire. Voilà, une petite crotte de nez, ça fait du bien. Ah, dégueulasse. Tenez, ouvre la bouche. Ah, il me dit même pas record du monde. Très bien. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? J'ai un gelé. Un petit lag, pardon. J'ai du mal à parler. Ça commence mal, c'est pas grave. Voilà, attention. Putain, ma sacro, je la prends à chaque fois, mais à chaque fois que je la prends, j'ai du mal avec. Merde. Je sais pas. J'ai du mal à la contrôler, d'accord? Eux, ils sont en train de faire des choses dans leur coin. Ils ont le droit, hein. Chacun a le droit à son intimité. Voilà, si vous voulez faire des choses dans le coin, y a pas de problème. Faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte du tout. Oulala. Même là aussi, ok. Ah, comme je vous ai dit, hein, faites ce que vous voulez. Franchement, nous, on n'est pas là pour juger. Voilà.
T'as pas de problème. Ok. Toi avec ta petite voiture rose, c'est pas moi que tu vas la faire. Ok, j'ai très très mal pris le virage. Ça, je sens que c'est le genre de course ici où ça va être, voilà, ça va être très compliqué à dépasser. Pour dépasser, va falloir pousser. Et j'aime pas ça. C'est qui est deuxième? C'est Kevin. Oulala, là là, excuse-moi, j'ai un petit peu mordu. Je vais essayer. Attends, je te laisse passer. Faut savoir être fair play par moment. Je vais être devant, il n'y a aucun problème. Donc j'ai fait un tour parfait. Bon. Heureusement que j'ai dit ça avant de me manger. Ok, ah, il veut pas me laisser prendre l'aspi. Hein. Mais à force de vouloir faire des zigzags un peu comme en Formule 1 pour chauffer les pneus, eh bien il va se manger. Hop. Oh. Je pensais l'avoir fait tant. Je pensais l'avoir poussé contre le poteau. J'aurais fait. Allez, salut. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est champion. C'est plutôt. Oulala, oulala. Oh là là, oh là là. C'est pas aussi fort. Vilaine brute. Ouais. Oh. Ce virage-là, je le prends bien, mais je freine un petit peu trop, je trouve. Combien de tours? 3 tours, donc ça sert à rien de se donner à fond maintenant. Non, moi, je suis quand je dis se donner à fond, c'est-à-dire je vais pas risquer un accident bêtement, puisqu'il reste encore un tour. Qu'au troisième tour, je peux un peu forcer. Mais ça m'énerve, parce que généralement, les courses, je veux pas dire que je les domine, parce que ça serait prétentieux. Mais des fois, je suis comme ça, je suis bien et tout. On va dire que je finis les deux premiers tours premiers. Aucun problème, tout se passe bien, dans le meilleur des mondes. Mais. Le dernier tour, tout se passe mal, je sais pas, on dirait que. Je sais plus comment on appelle ça. C'est le karma, voilà. Le karma fait que ça se passe pas du tout comme je le souhaite. Et malheureusement, bah, je me fais un petit peu avoir. Ok, là en plus, il va prendre mon aspi, donc il va essayer de me doubler par la force. Mais c'est pas qu'à la cachant. Allez, salut! Je me reprends. Je l'avais dit. Allez, pas faire ça. Voilà, là ça. Le virage plutôt bien pris. Oh oui, j'ai une petite avance en plus. Oh là, je vais finir premier, c'est magnifique. À la base, je devais finir la course sur le décollage là, course à l'aéroport. Mais je me suis dit, tiens, j'en fais une petite dernière, on sait jamais. Hein. Comme ça, au moins, j'aurais vraiment mérité les petits GG. C'est ce que je voulais. Et bah, je vais finir la première sans cette course. Je vais pareil, je vais finir au bout de chaîne. Je me suis dit, tu vas aller au bout. Il est là 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 là. Oulé, haboudé, 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 haboudé. Non, c'est pas votre vidéo qui buguait, c'est moi qui parlais un langage assez cotinois. Voilà. Bref, deuxième course, premier d'affilée. C'est plutôt cool. À la base, je voulais m'arrêter à la course d'avant, mais comme quoi, c'était bien de continuer sur sa lancée. Si j'étais un petit fifou de la night, je continuerai encore, mais faut pas abuser des bonnes choses. Je veux pas envie de faire des courses qui vont durer 50 minutes, qu'après ça va peut-être vous saouler, même si je sais que vous adorez les courses, et moi aussi j'adore ça. Surtout quand ça se passe, voilà, les gens, fair play, plus c'est manger le mur, mais c'est pas grave. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Et puis, bah, je vous retrouve très prochainement pour les courses des abonnés et tout plein d'autres vidéos. Allez, salut! Ouais, j'ai encore fait un record du monde. Je continuerai encore.